Héritage et message de Jules Verne. Mars 1905. Jules Verne est au plus mal. Le diabète le ronge. Depuis plusieurs mois, il ne voit plus que de l'œil gauche, celui du cœur, dit-il, pour assurer ses amis. Déjà l'année précédente, une crise avait été sévère. Mais il s'en était remis, sachant que la suivante serait fatale. La prochaine fois, tu feras venir le prêtre avant le médecin avait-il dit à Honorine. Nouvelle crise, le côté droit est paralysé. Jules Verne est cloué au lit, mais il garde l'usage de la parole. Le prêtre est venu, il s'est longuement confessé. Sa famille est réunie autour de lui, Michel est là, bien sûr. Le vendredi 24 mars, tout est fini et le médecin ne peut que constater le décès. Une fin belle et calme. Le lendemain, en méridamien, c'est Michel Verne qui vient déclarer le décès. Il contresigne le registre d'état civil. Les obsèques sont célébrées en l'église Saint-Martin. Plus de 5000 personnes s'y entassent. L'écrivain est ensuite inhumé dans le cimetière de la Madeleine à Amiens. Accepter sa mort, c'est aussi la vaincre. Tel semble être le message de la tombe de Jules Verne. Elle s'orne d'un monument funéraire commandé par Michel Verne et dû au talent d'Albert Rose, un sculpteur amiénois. L'artiste s'est servi du masque mortuaire du défunt pour ciseler un Jules Verne musculeux, surgissant de son sépulcre, rejetant derrière lui de l'échine la lourde pierre tombale et tendant la main droite vers le ciel, comme s'il voulait attraper les étoiles. Au lendemain du décès de Jules Verne, son fils Michel se trouve son seul héritier spirituel. À lui reviendra le soin de gérer les titres à paraître. Car selon son habitude, Jules Verne avait plusieurs romans d'avance achevé ou en chantier. Ses lecteurs les attendent, il ne faut pas les décevoir. Michel Verne doit rapidement surmonter sa peine pour faire face à ses responsabilités. Qui d'autre que lui est capable d'inventorier les manuscrits encore inédits, de les relire pour juger de leur état d'achèvement Au cours des dernières années, il s'est rapproché de son père, il a discuté avec lui de tous les derniers titres publiés de son vivant, Mieux que personne, il connaît l'œuvre, le style, les idées de Jules Verne. On se souvient que Michel souhaitait vivre de sa plume. Mais il n'a jamais réussi à s'imposer, à se faire un prénom. Pourtant, il a du talent. Alors, faute de passer à la postérité sous le nom de Michel Verne, il va se fondre dans celui de Jules Verne. Il va être Jules Verne, prolonger sa vie et son œuvre. Il signe un accord avec Etzel, fils. Il dresse une liste exhaustive de tous les titres non publiés, y compris les œuvres de jeunesse, et la fait paraître dans les journaux. Il y en a une douzaine, dont la moitié environ dans la série des voyages extraordinaires. Il relit tous les manuscrits, mais lui, il les aurait écrits différemment. Qu'importe, puisqu'il est Jules Verne, qui l'empêchera de les réécrire à sa manière Michel aura quelques belles trouvailles, mais dans l'ensemble, et de la vie générale. L'esprit Jules Verne ne se retrouve plus dans ses titres posthumes. Pourtant, on ne peut totalement blâmer Michel Verne de réécrire les romans inédits de son père. Cette initiative procède d'un bon sentiment. Les derniers romans, publiés du vivant de Jules Verne, présentaient déjà une indéniable sécheresse, une certaine raideur. L'auteur était malade, fatigué, et ses romans ne sont pas véritablement dignes de lui. Michel a des idées pour insuffler le souffle vernien, qui manque aux titres inédits, alors Michel devient Jules Verne à la place de Jules Verne. Ou plutôt, et c'est ce qui lui sera reproché finalement, il fait du Michel sous le nom de Jules. Au fil des années suivantes, sept voyages extraordinaires paraîtront, plus un recueil de nouvelles. Le phare du bout du monde. Publié en 1905, c'est une ultime fascination de l'auteur, pour l'axe du monde et les régions proches du pôle. À la pointe de la Terre de Feu, un phare est construit pour signaler le passage au navire. Mais la région est infestée de pirates qui attaquent le phare, tuent deux de ses gardiens. Le rescapé tentera le tout pour le tout et parviendra à retenir les pirates jusqu'à l'arrivée d'un navire de guerre. Le roman était achevé, Jules Verne n'a pas eu le temps de le corriger, Michel n'y change pas grand-chose. Le volcan d'or. Roman publié en 1906, écrit en grande partie par Michel. Pour Jules Verne, la fièvre de l'or était une inclination malsaine et condamnable. Pour son fils, au contraire, une manière rapide de faire fortune. Le roman est en conséquence bien différent de ce qu'aurait imaginé son père. L'agence Thomson ⁇ Co. Roman entièrement écrit par Michel Verne, mais publié en 1907 sous le nom de Jules Verne. Le pilote du Danube, publié en 1908, reprise par Michel Verne d'un roman dont le titre originel était Le beau Danube jaune, en référence au célèbre Beau Danube bleu de Johann Strauss. On sait que le Danube n'a jamais été bleu. Jules Verne voulait profiter de cette aventure en Europe centrale pour rétablir la vérité. Les naufragés du Jonathan, publié en 1909, version très remaniée du titre originel en Magellanie. Le secret de Wilhelm Storitz, publié en 1910, une variation sur le thème de l'homme invisible. La chasse aux météores publié en 1910. Un météore en or va tomber sur la Terre, les astronomes tentent de calculer son point de chute. Les destinées de quelques-uns des héros de l'histoire vont s'en trouver bouleversées. Jules Verne avait imaginé en particulier une certaine Miss Walker, portant le doux prénom d'Arcadia. Au début du roman, elle épouse Seth Stanford, puis ils divorcent et se remarient à la fin. Heureux Marie, qui peut vraiment dire Et in Arcadia Ego, avec un clin d'œil grivois, évidemment. Michel Verne ajoute un nouveau personnage au roman originel et de nouveaux épisodes. Un savant un peu farfelu invente un appareil capable de diriger le météore à distance. Puis il part sur le lieu où il a choisi de le faire tomber en ordonnant à sa gouvernante de ne jamais toucher à l'appareil pendant son absence. La brave femme n'y touchera pas, mais déplacera chaque matin la tablette sur laquelle il est posé pour balayer à la place et la remettra à peu près au même endroit. En conséquence, le météore vagabonde dans l'espace à chaque déplacement de l'appareil et finit par tomber au fond de l'océan là où personne ne pourra récupérer son or. Hier et demain. Publié en 1910. Recueil de nouvelles écrites ou réécrite par Michel Verne, contenant Aventure de la famille Raton, Monsieur Rédiez et Mademoiselle Mi Bémol, La destinée de Jean Morenas, Le Hamburg, La journée d'un journaliste américain en 2889 et L'éternel Adam. Viendra plus tard, seulement en 1919, l'étonnante aventure de la mission Barsac. C'est un roman inédit inspiré de deux histoires à peine esquissées par jules verne voyage d'études et une ville saharienne seuls quelques chapitres étaient écrits michel verne a eu l'idée de réunir les deux histoires en une seule jules verne très enthousiasmé par l'apparition de l'espéranto avait choisi d'en faire le thème de voyage d'études mais la version de michel verne escamote totalement cet aspect mais voici que celui-ci est parvenu à la fin de sa tâche. Bon ou mauvais, amusant ou ennuyeux, le livre est là, maintenant. Ai-je envie de dire, en reprenant à mon compte, le final de L'étrange aventure de la mission Barsac Je pense avoir suivi la piste débroussaillée par mes prédécesseurs, Marcel Moret, Marc Soriano, Franck Marie et surtout Michel Lamy. Je veux rester humble. C'est un trait de caractère. Que l'on me reproche parfois, et penser que je n'ai peut-être pas tout décrypté du message subliminal de Jules Verne, que je suis peut-être passé à côté d'interprétations qui paraîtront évidentes à d'autres. Que l'on me reconnaisse au moins le mérite d'avoir lu la totalité des titres de ces voyages extraordinaires, pour en livrer une analyse globale. Il est donc temps de tirer quelques conclusions. L'œuvre immense de Jules Verne, qui reste l'auteur français le plus traduit dans le monde répondait parfaitement à la mission fixée par Edsel éduquer et divertir et elle l'a fait avec brio dans un style parfaitement lisible qui a enchanté des générations de jeunes et de moins jeunes les a fait voyager à travers le monde terrestre maritime et spatial le plus souvent avec humour tout au long de romans parfaitement maîtrisés. Histoires imaginaires, mais parfois construites à partir d'événements historiques, ménageant surprises et coups de théâtre. Mais au-delà du message visible s'en cache un autre, subliminal et initiatique. C'est ce que j'ai tenté de démontrer tout au long de cet ouvrage. Pourrait-il y avoir un message supplémentaire, cryptographié selon une méthode reposant, par exemple, sur des mots-clés qui, mis bout à bout, formeraient une phrase je l'ai pensé à un moment. Mais comment déterminer ces mots-clés Comment Jules Verne les aurait-il disséminés dans ses romans Cela ne peut pas relever de la pagination, laquelle est différente, même dans l'édition originale etzel, d'une présentation à une autre, depuis la parution en feuilleton jusqu'à la parution en album luxe grand format, en passant par l'édition intermédiaire plus petite. Parfois les titres des chapitres lus successivement paraissent délivrer un message c'est le cas pour Clovis d'Ardentor. Parfois, rien ne semble en découler. Jules Verne n'avait d'ailleurs aucune discipline concernant la façon de titrer ses chapitres, ou plutôt il obéissait à une logique bien à lui, laquelle reste sans doute à déterminer. Souvent, les titres de chapitres forment une phrase commençant par dans lequel Ou l'on ». Parfois, c'est un titre lapidaire, quelquefois même une citation latine. Parfois, un mini-résumé de l'action. Et parfois, la tête de chapitre se limite à son numéro, comme au temps d'univers parallèles. L'œuvre subtile de Jules Verne, avec ses messages secrets, ses matériaux cryptographiques, pour reprendre le titre sous lequel furent réunis une première fois les textes de Grasset d'Orsay, semble pouvoir se subdiviser en périodes et en thèmes. Dans une première époque, de 1863 à 1880, Jules Verne bâtit ses romans sur le schéma des rites initiatiques de plusieurs sociétés fraternelles. La franc-maçonnerie bien sûr, mais aussi les forestiers, et charbonniers et bien entendu la société angélique. Vers la fin de cette période, s'amorce une variation philosophique avec la maison à vapeur. Le candidat à l'initiation n'est plus un homme, mais une machine. À partir de 1882, Jules Verne poursuit ses variations sur le thème de l'apprenti et de son maître. Souvent le maître n'est pas celui que l'on croit, et souvent l'apprenti se révèle différent de ce que l'on imagine. Jeu de fous semblants, auquel se mêle ensuite le thème de l'amour fraternel, lui aussi décliné sous toutes ses formes. Entre les deux périodes, il y a en 1881 une pause marquée avec la jongada. Roman à part, livrant une partie de la vie intime de Jules Verne sous une forme tout autant cryptée que le cryptogramme formant le cœur de l'intrigue. La méthode cryptographique n'est pas nouvelle, c'est celle du chiffre de Gronfeld, connu depuis bien longtemps. Mais Jules Verne innove, sans en informer son lecteur qui devra le découvrir par lui-même en utilisant un alphabet à 25 lettres, sans le W. Le système sera repris peu de temps après, par le trio de prêtres préparant dans l'ombre ce que l'on nommera plus tard l'affaire de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, parlons-en maintenant. Jules Verne y fait une première allusion éventuelle et très ténue dans Les Enfants du capitaine Grant, par la fameuse formule christique ⁇ Il est passé en faisant le bien ⁇ présente notamment sur la tombe du comte de Fleury dans le cimetière de Rennes-les-Bains. Ce n'est peut-être qu'un hasard. Mais c'est une formule qu'il réutilisera à plusieurs reprises. Puis c'est Robur le conquérant, une aventure commençant et se terminant le jour où l'on fête Saint-Nazaire, patron de l'église de Rennes-les-Bains. L'action se situant alors aux Antipodes. C'est une méthode que Jules Verne réutilisera avec bonheur dans César Cascabel, roman décrivant en réalité l'itinéraire de la route de César entre Rennes-le-Château et Carcassonne. Et encore avec le Château des Carpates centré quant à lui sur le secteur de Rennes-les-Bains et Bugarrache, De cette montagne emblématique, Jules Verne fait le capitaine du navire conduisant les héros de Clovis d'Ardentor en Afrique du Nord, où ils suivront un itinéraire algérien qui est en réalité un itinéraire en terre d'Aude. Le Bugarrache, toujours avec Maître du Monde, l'un de ses derniers titres. Contrairement à Maurice Leblanc et à ses implications démontrées par Patrick Ferté, les messages secrets de Jules Verne ne concernent pas vraiment les événements, ni les protagonistes de l'affaire de Rennes le-Château, mais plutôt les lieux sur lesquels il a voulu attirer notre attention. Une région secrète se dessine à travers quelques-unes des œuvres de Jules Verne, une région qui irait du Pêche de Bucarache à Notre-Dame de Marseille, en passant par Rennes les-Bains et Rennes le-Château. Terribilis est locus iste, hic domus dei, est et porta caeli, et vocabitur Dei, aurait pu sous-entendre Verne dans ses matériaux cryptographiques. Quel mystère se cache-t-il dans cette région, mystère si terrible que l'auteur n'en parle que de manière détournée Un secret inavoué que Jules Verne aurait appris de l'abbé Boudet, disais-je en conclusion de mon analyse du château des Carpates. Car comme j'ai eu l'occasion de le révéler au grand jour dans ses pages, et ce, à plusieurs reprises, Jules Verne avait bien eu en main le livre de l'abbé Boudet, et, en fin limier habitué à crypter ses propres écrits, il a su parfaitement lire entre les lignes. Il a sûrement lu aussi les livres de l'abbé Lasserre. Et le père Léopold Vanier était là pour l'informer de surcroît. La connaissance qu'avait Jules Verne de la région est celle que tous ses ecclésiastiques lui ont transmise, avec tous les sous-entendus qu'elle pouvait comporter. N'oublions pas non plus l'importance qu'a dû sans doute avoir la famille d'Asburg quant à la transmission d'informations inviolées, qu'elles soient d'ordre historique ou topographique. On a pu aussi constater au cours de cette large étude que des auteurs aussi émérites que Maurice Leblanc ou Raymond Roussel sont venus s'abreuver à la fontaine de Jouvence vernienne avant tous les autres. Maurice Leblanc deviendra par la suite un des meilleurs cryptographes de l'affaire de Rennes-le-Château. Mais l'aurait-il fait ainsi sans l'explorateur Jules Verne, Primus inter pares Je crois avoir démontré sans conteste la dimension hautement initiatique et parfaitement cryptée de l'œuvre de Jules Verne à travers de nombreux symboles empruntés à la franc-maçonnerie, aux forestiers et charbonniers, à l'ordre du brouillard et bien d'autres. Les textes de Verne se complètent admirablement avec les planches illustrées. Les illustrateurs de Jules Verne étaient-ils informés et initiés, à leur manière, comme ont pu l'être les graveurs de l'auguste corporation des Gilpins au XVIe siècle Tout le laisse croire, évidemment.